Messieurs, dames, montez le son, c'est l'heure de faire le robot puisque Bandai vient d'annoncer une première figurine de Cellmax. Je deviens fou, oui, mais mon jeune ami, ne sois pas excité parce que... Il ne s'agit pas d'une figurine Ichiban Kuji, il ne s'agit pas d'une figurine qui paraîtra dans les jeux de grue, il s'agira d'une figurine qui va coûter un petit peu bonbon puisqu'il s'agira d'un set et qu'on retrouvera uniquement sur le site Premium Bandai. Ça fait mal. On va parler donc d'une gamme toute mignonne, appréciée par la jeune communauté, principalement, puisque ça leur est destiné, hein, c'est le genre de produit qu'on trouve au rayon bonbon, au rayon pour les enfants, près des jouets, etc. On va parler des Dragon Ball Adverge. Première figurine de Cellmax dans les 14 cm, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et vous le savez, lorsque Bandai se dit « Allez, on va faire des Dragon Ball Adverge grosse taille », eh bien, on va faire péter les prix et on va mettre ça uniquement sur le site Premium sans rajouter les frais de port. Parce qu'il faut savoir que chez eux, pour rajouter après les frais de port, il y a un truc qui me fait grincer des dents. Mais ça, j'ai du mal. Quand tu commandes plusieurs produits chez eux, hein, tu te dis, bon allez, je prends une figurine qui sont disponibles. Hein. Je prends une figurine, je prends un machin, je prends un ci, je prends un là. Le frais de port, à chaque fois, est différent. Ils font pas un colis en un seul truc, en un seul bloc. Bandai, je vais te prendre ton pognon, hein, Bandai. On va passer au gros plan, hein. Salut à toutes et à toutes, Marty Japan, salut à toutes et à toutes. En ce moment, voilà. Dragon Ball, Adverge, Super, Hero 7. Bon, on est dans quelque chose d'évident. On est dans quelque chose, c'est sûr que ça allait sortir, les Adverge, centrés sur le film Super Hero. Il n'y a pas de véritable surprise. Encore une fois, pour moi, le film, au vu de mon analyse, vous avez de toute façon les vidéos sur la chaîne, mais pour moi, ce film est vraiment, vraiment orienté pour les tout petits enfants. C'est un truc de fou. Et du peu que j'ai vu dans les salles et l'ambiance qu'il y a eu dans le Japon, du moins à Tokyo, et dans les bornes, les salles d'arcade avec les bornes Heroes et compagnie, vraiment, ce film a touché beaucoup plus que Broly en termes au niveau des gamins. C'est un truc de fou. Alors peut-être parce que c'est coloré, parce qu'il y a cet aspect peut-être aussi 3D qui charme, j'en sais rien, la nouvelle génération. Mais du coup, les Adverge, pour moi, c'était une évidence. Encore une fois, ce produit-là, les Adverge, c'est destiné aux enfants. Si vous venez au Japon un jour, allez faire vos courses, allez au rayon bonbon. Au rayon bonbon pour les petits. Ils ont des petits paniers rien que pour eux, pour qu'ils puissent faire leurs petits achats, etc. C'est super mignon. Je trouve ça génial comme idée. Et il y a ce genre de produit. Allez également dans les centres de jeux pour les enfants, où ils vendent des produits, des figurines et machin. Et vous allez voir que c'est souvent ce genre de merde qu'on a en rayon. Voilà, encore une fois. Bien sûr, si toi, t'es collectionneur, t'aimes bien les petites figurines. Et je lève la main, moi j'adore les Adverge, j'en ai plein à la maison. Mais à la base, c'est pas pour nous. Et dedans, il y a même une friandise. Sauf que Bandai a compris une chose aussi, c'est que les papas, les mamans, ils ont du pognon. Et il faut faire plaisir au petit Jean Tanaka. Et pour faire plaisir au petit Jean Tanaka qui a repéré sur Twitter qu'il y a un Cellmax et du coup un orange piccolo de taille démentielle, papa, il y a moyen que... Oui, allez, vas-y, fais voir. Eh ben écoute, on va regarder ça ensemble. Donc comme vous pouvez le constater, il y a un Cellmax. On attend tous l'annonce d'une Ichiban Kuji, d'une figurine jeu de grue. Mais pour le moment, on va se contenter du coup, eh bien, de ça. Un Cellmax très lisse. Super lisse. Ils ont rajouté, j'ai l'impression, des pets de peinture, limite des stickers directement sur différentes parties du corps pour avoir des taches noires. Après, on est dans le délire grosse tête, petit corps, l'aspect SD, l'aspect chibi. On est sur du déformé, rien de surprenant, c'est propre à la gamme Adverge. C'est sympathique, c'est mignon. Le orange piccolo, même en Adverge, c'est-à-dire avec le corps déformé, on sent qu'il veut péter des gueules. Hein. Ah ouais, il veut péter des tronches, on est d'accord. On a du One Beast également dans les parages, et puis on a toute la clique, et je crois qu'on a déjà eu des Adverge, si j'ai pas de bêtises, de super-héros, en rayon. Donc là, ils te mettent tout ça en scène en te disant « Regarde, toi, collectionneur, collectionneuse, tu peux avoir le Cellmax, l'Orange Piccolo, le Gohan Beast, le Piccolo normal, le Piccolo qui brille, le Piccolo qui pète, le Piccolo qui fait la Macarena, le Ganma 1, le Ganma 2 qui font les copains-copines, photos, selfies. » Voilà, tu peux avoir tout ça à la maison. Donc, ils mettent en avant du coup le Cellmax en train de gueuler. Ça, je le fais assez bien. Vu de profil... J'imagine qu'on est sur le proto là parce que j'ai l'impression qu'on a posé de la peinture dessus.
Avec des effets tout partout, on met des lumières partout, photoshopé, attention, c'est pas dans la boîte. Y a pas de lumière dans la boîte, si t'appuies sur un bouton, attention, tu peux mourir. Ah, je suis transpercé par une figurine. Je vais devenir fou à force. Mais voilà, c'est photoshopé, du coup ils disent, oh regarde, tu peux mettre ça en scène. C'est génial, y a une menace en face de nous, mais le Gohan là, bah il a pas l'air d'avoir peur, hein, ici, hein. Bah, je me fais chier. Orange Piccolo, je vais péter des gueules. Ah moi je vais péter des gueules, je vais péter des races, voilà. Plutôt bien réalisé je trouve. Plutôt classe, plutôt badass. Oh le dos, ça c'est de la musculature. On dirait l'entrejambe d'une demoiselle en plein milieu, mais... Attends, au bout d'un moment, merde quoi. Mais c'est de la musculature de titan. Ensuite, tu as Orange Piccolo en face de Cellmax en train de faire... Voilà, ils mettent ça en scène toujours avec l'aspect photoshopé de la fumée, attention, c'est la bagarre, c'est génial. Donc le Cellmax mesure environ 15,3 cm, l'Orange Piccolo 14,5 et le Gotenks, qui apparemment est exclusif au 7, eh bien, mesure 5,5 cm. On a l'aperçu de Gohan et Gohan Beast, donc les mini figurines. Alors c'est pas vraiment proportionné, c'est un petit délire machin. J'imagine qu'on va avoir un produit pas si clinquant que ça par rapport à l'image promotionnelle là. J'imagine que le visage sera un peu en mode pâté, écrasé, j'en sais rien. Mais là c'est trop beau, trop net, trop lisse pour que ce soit comme ça dans la vraie vie. Hein, au produit définitif. Donc là on a aperçu également d'Orange Piccolo en minuscule, de Gohan Beast, de nos compères. Dragon Ball Adverge 16. Là, on a tout le set, et ensuite, voilà. Je vais retourner sur le site officiel, et on va faire le point sur tout ça concernant les prix et compagnie. Bim, 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 bim. Le prix. Attention. On parle d'un set de, si je dis pas de bêtises, 3 figurines. Hein. C'est tout. 1, 2, 3. 8 800 yens. 8 800 yens. Tout en sachant que normalement une adverge comme ça de Gotenks en tout petit, c'est dans les 400 yens, 500 yens. 500 yens je crois, un truc comme ça. 500 yens si je dis pas de bêtises. 500 yens. Est-ce qu'il y a le bonbon inclus dedans? Bah ça serait bien. Hein. Donc là je vous confirme, hein, c'est le max. Orange Piccolo, version géante. Et le Gotenks pour 8 800 yens. 3 petites figurines de merde. 8 800 yens. Mais c'est complètement dingue. Et le pire, c'est que si le petit Jean Tanaka va voir ce genre de produit, il va demander ça à son papa, à sa maman pour Noël. Mais bien sûr, bien sûr. Oh, au pire des cas, là, ça touche aussi les darons au vu du tarif, là. Mais c'est chaud. Ah, c'est photoshopé, c'est incroyable. Alors vous allez me dire, mais Marty, du coup, tout ce qu'on a eu, bah en fait, moi, comme ça, du coin de l'œil, je m'étais dit, ouais, il y a au moins quelques figurines qui sont incluses. Non, non, c'est que 3 figurines, en fait. Oui, en fait, tout ça, la plupart des figurines sont sorties, déjà en rayon. Mais c'est bizarre, je me souviens pas d'Orange Piccolo. Sinon, me connaissant, j'aurais été en rayon juste pour regarder la boîte et me dire, je prends pas. Tout en sachant que par chez moi, quand je fais mes courses, les Dragon Ball Adverse sont à des prix cassés, souvent, parce qu'ils ne vendent pas. Ils n'arrivent pas à vendre. Donc, si je vois un petit Orange Piccolo, c'est rigolo, tu vois. Mais ouais, tout ça, du coup, bah, c'est dans le cul, Lulu, quoi. Dans le cul. Ouais, c'est pas excitant, c'est pas foufou. La question, encore une fois, que je me pose, c'est est-ce qu'on aura un produit intéressant, un produit définitif intéressant. J'imagine qu'à la Jump Festa, et je croise les doigts, que ces produits-là sont, bah, est-ce qu'ils seront exposés en vitrine pour que je vous en fasse au moins une petite vidéo. Ça peut être sympathique d'avoir un rendu, quelque chose, voilà. Un premier aperçu de tout ça. Je vous ai dit quand est-ce que ça sort, excusez-moi, hein, parce que là je suis... Mai 2023 pour 8 800 yens, Cellmax, Orange Piccolo, Petit Gotenks. Non, non, hein, sincèrement, c'est... C'est chaud. À ce prix-là, autant aller sur le site, il y a quoi du côté de Dragon Ball. On va vite fait revenir au gros plan. Mais il y a des trucs, même si je râle, autant claquer ta thune ailleurs. Hein. Ah bah, regardez, il y avait eu le 7. Il y avait eu un autre 7. Donc si tu veux l'autre 7, à l'époque c'était 4235 yens, donc tu fais 4000 plus 8000, on est dans les 12 000, t'arrondis à 13 000 yens, oh là là, comme ça pique le trou de balle,
À 8800 yens, autant te faire plaisir ailleurs. Non mais sincèrement, c'est tout ce qu'il y a en Dragon Ball, il n'y a plus rien. En même temps, tout est bouclé. Prends-toi le set, voilà, prends-toi ça. Rajoute quelques yens et à 12 000 yens, t'as une réédition de cartes. Non mais c'est pour te donner un exemple, plutôt que de craquer pour de la Adverge de luxe. Au pire des cas, au pire des cas. Mais vraiment, sois patient mon ami. Sois clairement patient. T'aimes bien Dragon Ball Super Super Hero, il va y avoir des figurines. Évidemment qu'il y aura des figurines. Évidemment que tu vas avoir des figurines dans les jeux de grue. Et évidemment que tu vas avoir des figurines dans Ichiban Kuji. Il faut juste attendre une chose. Les annonces concernant tout ça du côté de Bandai. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous laisse tranquille. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Rendez-vous dans quelques jours, puisqu'il y a la Jump Festa. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!